ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, nous présents à Zodji, comment Alhamdulillah nous habitués prend tous les vendredis après Isha, quand nous pédiait tout, sauf le N vendredi qui nous arrêtait, l'Oban non, Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours pareil, façon qui nous habitue à procéder, c'est nous commence par rappel qui nous finit faire. La dernière fois, le nom qui nous finit prendre, c'est le nom Al-Aziz. Moi, en celui qui est dans l'Iman, ma présence à Zodji, ma présence la dernière fois, mon péconé qui me robe, mon créateur, parmi ce banon, c'était Al-Aziz. Nous y prenons ensemble Al-Aziz, sa signification, dérivée du mot Izza, qui veut dire la force. Al-Izza est celui qui faut. Ici, quand nous pouvons dire faux, nous ne pouvons pas faire référence à la force, mais il faut lire Allah subhanahu wa ta'ala, le bon plan, le bon stratégie. Nous tiguons ensemble le nombre de fois qui s'annonce mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans 92 places dans le Coran, il fait nous connaître qui est dans sa nom là, Al-Aziz. Nous tiguons ensemble sa nom là, sa signification en tant que nom Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, moi, insan, comme on connaît mon robe et dans sa nom là, et mon robe, parce que la force qui tout bon plan, qui nous, insan, nous capables de mettre, nous capables de faire, excepté c'est Al-Aziz, ce plan qui réussit. C'est lui, Al-Aziz, ce plan qui vient à la fin. L'effet de nous, iman, comment nous dire, plus grand l'exemple qui est là. Plus grand l'exemple qui est là, à chaque fois nous rappelle lui-même. Moi, c'est lui qui est là, iman, me vive avec lui, c'est l'exemple de Moussa alayhi salam. Quand nous dit Moussa alayhi salam, il prend naissance dans une place, dans un endroit qui, chaque garçon qui prend naissance, pharaon touillé. Fitra insan, les types essaient et prend Moussa alayhi salam pour amener plus loin qui est l'attention du territoire. Mais Al-Aziz, ce plan, c'est Moussa alayhi salam grandit devant le pharaon. Plus qui est là. Plus près qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala, l'yena le nom Al-Aziz, l'y renverse tout plan qui est là. Ce plan, quand il finit prend place, l'état nous guette, excepté qu'il résilie l'état qui t'y besoin et là, Allah subhanahu wa ta'ala atteint lui. Mais pour sa plan qu'il y fait là, nous, un insan, nous pas arriver à comprendre. Oh, donc de là nous trouve, qu'alhamdulillah, parmi les noms qui nous finit prend, c'est le nom Allah. En même temps, nous tu prends le nom Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, 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 Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz et Azoudi, Inch'Allah, chers frères et sœurs, si nous guettons ban nom là, nous pouvons suivre, nous pouvons venir, nous vous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala
Dans même ayat, il dit Al-Aziz Al-Jabbar. Al-Jabbar. Parmi les noms, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, c'est Al-Jabbar. Quand nous guettons le nom, nous vous trouvons comment tout le mot en arabe, il vient depuis trois lettres radicales. Jim, ba, ra. Jim, b avec ré. Trois lettres. Comme à chaque fois on a habitué à faire les, nous redons trois lettres radicales, trois lettres racines de ça, mot arabe là. Nous guettons une bonne signification dans le langage arabe. Ensuite, nous guettons le nom qui Allah subhanahu wa ta'ala ina. Jabara, c'est un mot arabe qui vient le contraire de casser. Mais là, attention. Le mot casser ici nous n'amène ni kassara, casser. Mais seulement nous ne pouvons pas dire casser, casser en dé. Non, pas ça casser là, nous pouvons causer là. Mais seulement nous pouvons causer, nous pouvons dire casser, au fait, c'est une action quand il prend place, nous connaissons quelque chose là, pas capable de servir. Nous connaissons quelque chose là, pas capable de servir. Mais moi, insan, parfois arrive moi ban étape dans mon vie, arrive moi ban moment quand mon sentiment, comment nous dire, mon sentiment down. Aïe, la tête pas en place, mon besoin repos. Mais ça moment là, pour capable vraiment toi au insan, te broden kiken pour cause avec toi, te broden pas un psychologue pour remonter toi, c'est vrai. Mais seulement, ça l'action qui ça dit mouna pour faire, c'est que li pour faire jabara, li pour essayer remonter toi à l'intérieur. Comprends bien. Li pas veut dire li remonte nous à l'extérieur nous, à l'intérieur. Veut dire moralement comme une cause avec lui, mon sentiment faux. C'est ça le mot jabara. Quand aime quelque chose puis elle finit. Comment dire comme au get mon portable, mort charge, mon est métier de courant. Il reprend. Est-ce qu'il peut au arriver une gros? Non, il reste pareil. Bande de nekina reste là-dedans. Mais seulement, il y a une petite chose qui n'a augmenté, ça qui appelle sa batterie, pour capable de continuer à servir encore. Encore plus beaucoup les temps, mon gars, action qui m'a fait faire, quand m'a retourné le moi insan, mon batterie moi, quand m'a rechargé, c'est à travers l'action qui appelle Jabara, m'a reprend. Physiquement, m'a revine. Faux? Non. Physiquement, ça c'est la fausse. Mais psychologiquement, Morévin faux. C'est ça l'action de Jabara. Al-Jabbar aussi, il veut dire grand. Faux. Un qui est grand, il est faux et il est long. Ici, quand nous peut dire long, qui fait? Parce qu'il nous dit bien, nous peut décrire lui dans le langage arabe. C'est pour ça, quand nous guettons dans Surah 5, sur Al-Ma'ida, Ayat 22, peuple de Moussa alayhi salam qui dit qalu ya Moussa inna fiha qauman jabbarin. Oh Moussa, là-dedans il y a un peuple qui c'est faux. Dis autre chose, tu vas nous rentrer. Mais le point qui est avec nous, c'est que le mot jabbar, il finit cité avec ban insan. Qui fait? Parce qu'il est temps nous des description qui vient de ban aya concernant sa peuple là, c'est qu'il ban a ti faux et je suis bien grand. Donc, de là, nous avons des significations pour le mot Jabara. Un, c'est lui qui est capable de remonter nous. Deuxième, c'est un, c'est lui qui faut. Nous avons ce mention de Coran, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala cite sa nom là une seule fois. C'est dans Surah Al-Hashr, ayat 23. Nous prenons ayat là, nous pouvons venir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Malik al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, al-Aziz. Al-Jabbar. Qui ça là? Huwallah. Cette ayat là pour commencer. Ayat là commence par Huwallah. C'est Allah. Ensuite, le qui nous arrive, Al-Jabbar. En d'autres mots, ça résout en dans moi. Huwallah, Al-Jabbar. Allah, c'est lui-même Al-Jabbar. Allah, c'est lui-même Al-Jabbar. De là, mon vie connaît, moi, celui qui est Naïman, si mon pédia, mon rab, Al-Jabbar, qui sa signification en tant qu'un nom. Allah subhanahu wa ta'ala.
Sans qu'un doute, chers frères et sœurs, qu'on a habitué à faire lire, nous prenons parole de savant, comme par exemple Imam Tabari, un parmi les Mufassir, un parmi les qui vient expliquer le Coran, Rahimahullah, lui dit c'est lui qui occupe bienfait de ce ban créature. Bienfait. Ici, bienfait, qui veut dire? Ici, bienfait, ce n'est pas lui de ni manger. Non, Al-Razak qui donne manger. Ici, bienfait, ce n'est pas lui protéger, lui contre le mal. Ici, bienfait, ce n'est pas lui faire lui gagner de faveur. Non. Qui bienfait lui guetter quand ça insan là, in? Ce batterie faible. C'est là qui remonte, nous, chers frères. Al-Jabbar. Al-Jabbar. De même, on a une place. Ou bien en dehors de mon pays, loin avec mon lacasse, arrivé parfois que mon appel ban homesick. Mon trouvant dans un coin, seul qui n'arrive, toi, te down, et n'en seul, capable mon toi, que tu étais là. C'est que ça n'a, c'est Al-Jabbar. Al-Jabbar capable de faire toi, remonter. Pareil comme ça, même chers frères et sœurs, pour un ban savant qui vient expliquer ça non là, c'est Asardi. Toujours, pour un ban qui vient expliquer le Coran, l'idée Al-Jabbar, c'est Al-Ali, celui qui hôte. Celui qui hôte. Ou, dans l'autre façon de dire, le plus haut, Al-A'la. Il peut donner une signification, le nom Al-Jabbar. Ou donc, de là, quand nous résumons, lui nous gagne N, le plus haut, le souban créature. Parce qu'Iban Savant vient trouver qu'Al-Jabbar veut dire le plus haut. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, prend-lui dans nous à se dire. Allah subhanahu wa ta'ala kot yete. L'identifiera un insan. Quand il fait doa, il lève la main. Il lève la main pour lui demander ce qu'il a ou là. Nous continuons pour nous dire, même un non-musulman, de ce fitra, quand il a un problème, qui dit ce qu'il a ou là, décidé ça même d'eau. Oh, tu connais il a ou alors. Tu connais un qui est là-haut. Malgré qu'il a te voir le faire, te demander service, etc., tu as le même niveau avec toi. Mais tu peux reconnaître qu'il y a quelqu'un là-haut. Ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait ce hajj, quand il passe le message, il dit avec ban sahaba, Allah al-ballartu. Est-ce qu'il m'a fait passer le message? Allahumma shahad. Ou Allah soit témoin. Lui montrer les ciels. Lui montrer les ciels. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin avec ce bonne créature. Les loin avec ce bonne créature, les Allah subhanahu wa ta'ala les plus hautes. Parmi ben nous qui rappellent nous, qui nous robent les loin avec nous. Bizat, comment les Allah subhanahu wa ta'ala était, c'est le nom Al-Jabbar. Chers frères et sœurs, parmi ben, compréhension qui nous gagnait depuis ce nom-là, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable d'améliorer nos situations. Et ces situations, c'est quoi? C'est ben ressentiment qui m'a à l'intérieur. Faire ma tristesse, vin, en la joie. Faire ban quelque chose qui fatigue mon la tête, fais-moi reprendre. Bliez-li. Qui c'est qui va faire ça? Qui c'est qui a contrôlé le mot intérieur, en dans moi, en tant qu'un insan? C'est Al-Jabbar qui a ça. C'est Al-Jabbar qui a sa capacité là. Et pareil comme ça, même chers frères et sœurs, le fait qu'il est là-haut, le fait qu'il y ait la capacité en tant qu'un Jabbar, le fait qu'il y connaît nous en dents et lui-même qui contrôle les, il y a la capacité pour lui imposer ce ban l'aude. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surah Qaf, nahnu a'lamu bima yaqulun. Oh Muhammad, nous comprenons bien qui ban n'a pas dit wa ma anta alayhim bi Jabbar. Oh Muhammad, tu vas pas capable d'imposer l'aude. Tu n'es pas capable d'imposer les autres. De là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Fadhakir bil Qur'an imen yakhafu wa'id. » Rappelle-t-il ce ban qui? Ce pire, al-wa'id. Sa promesse qui nous fait faire là, sa avertissement qui nous fait faire là, rappelle-t-il ce ban n'importe Qur'an. Quand tu as ban les restes là, tu n'es pas capable d'imposer les autres. Nous trouvons que le mot al-jabbar, ici, Allah subhanahu wa ta'ala fin amène avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire lui connaître au Muhammad, tu n'es pas capable d'imposer aux autres. Oh donc, Allah subhanahu wa ta'ala li al-jabbar. Donc, il est capable d'imposer, oui, nos chers frères. Oui, li Allah subhanahu wa ta'ala li imposé. L'effet que ça fait le nous iman. L'effet que ça fait le nous iman, comme on connaît. En dans moi-même, quand moi assisé, moi réfléchi, moi dit le nom, Al-Jabbar.
au fond de moi-même, je ressentis sa robe-là, mais qui grandait y était. Qui grandait y était. Quand nous pouvons dire le plus haut, nous pouvons référer à grandir sa robe-là. Quand nous pouvons dire Al-Jabbar, qui grandir Allah subhanahu wa ta'ala était. Ou d'une autre façon, chers frères et sœurs, quand nous pouvons dire Al-Jabbar, qui quitte chose qu'il y voulait, pas pour arriver. Parce que lui-même qui impose le nous tout. Lui-même qui impose le nous tout. Lui-même Al-Jabbar. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 36 surah Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voulait un quitte chose, lui dit déjà quitte chose là, soit quitte chose là arrivé. Pourtant, étant mougueté, moi ministre. Étant mougueté, moi les rois. Moi, telle quelque chose, me donne l'autre. Ah, c'est ça pour moi. Ben là, qui bouge à moi? Une minute à où? Je peux aller là. Mais seulement, il y a ça laps de temps qu'ils ont besoin d'aller, de récupérer quelque chose à autre, de retourner. Je n'exécute pas l'autre, oui, non? Oui. Mais seulement, tu m'avais trouvé, je ne prends les temps seulement. Je ne prends les temps. Mais Al-Jabbari, comme Al-Idiya qui est arrivé. Tout de suite arrivé. Tout de suite arrivé. Ça, c'est Al-Jabbar. Ça, c'est le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, l'action, c'est qu'il s'arrobe là quand il dit quelque chose, kun fayakun. Soit, quelque chose là arrivé. Chers frères et sœurs, quand nous réfléchissons au ayat 54 de surah Al-A'raf, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Zotre Rabb, c'est celui qui vient créer. Ban les ciels et la terre, ensuite il vient établir l'eau sur le trône. Yurshi al-layla an-nahar wa yatlubuhu hathitha. C'est lui-même qui, pour contrôle, les couvert la nuit et les jours, wa shamsa wal qamara wan nujum musakharati bi amri. Ash-shams, soleil, wal qamar, la lune, wan nujum, sa ban étoiles là, musakharat, tout ça là, zot mos bi amri pour son Lord. Pour l'autre Al-Jabbar. Est-ce qu'il m'a réussi à comprendre ça là? T'as l'air que nous sommes de haut, nous avons des étoiles là. T'as l'air que nous sommes de haut, nous avons des étoiles là. Je me dis, mais qui ça qui peut contrôler toi? Qui ça qui peut contrôler toi? C'est Allah? Non. C'est Al-Jabbar. Get sur l'autorité. Get comment l'y imposer. Quand il arrive là pour toi aller la ligne, il donne toi l'autre aller, soleil là qui vient. Soleil là qui vient. Quand ça? Zizodi? Quand ça? Zis la qu'on nous apprend ça? Depuis qu'il finit dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit dans le nom Al-Jabbar et il peut faire sa bonne action là. Chers frères et sœurs, parmi ban, les faits qui aiment celui qui est dans l'Iman, il rappelle lui-même que Allah subhanahu wa ta'ala li yana li no al-jabbar, c'est qu'il y pour impose, il vous mettez. Ce ban la loi. C'est pour ça dans surah 5, surah Al-Ma'idah, ayat numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin lui dit, inna allaha yahkumu ma yurid. Li Allah subhanahu wa ta'ala li met la loi qui lit ou le? Qui s'en capable empêche li? Qui s'en capable empêche li? Li Allah subhanahu wa ta'ala li met la loi qui lit ou le qui fait. Parce que nous redire comme on connaît qui c'est Al-Jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala ben li même plus haut, li même qui imposé. Ben pas une personne qui vous capable rod amène la loi ou bien contredire la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettez. Nous prenons li bien dans une autre façon. Chers frères et sœurs, prenons li avec nous l'écrire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui dit la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala zame qui ken pour capable poser question. Oh Allah, qui fait elle fait ça? Wa hum yus'alun. Mais nous vous gagnons une question là seulement. Get Al-Jabbar. Get dit montre nous ce grandir. En tirant l'eau la terre, il permet de faire ça qui y a envie lui. Si il a envie de mettre ça dans de travail, il a envie de mettre ça dans il a envie de faire dans la guerre place de travail, encore quand il me dit, personne ne peut pas poser question. Parce qu'il est même boss. Il est même bourgeois.
Mais seulement l'oublier, comme un mot, comment tu rentres dans la cabale, tu as quelque chose, voilà. L'atmosphère là, sans zé. Tous les temps que tu peux disparaître, personne ne va te poser ta question. Qui fait? Ou bien, comment me rentre la case, me trouve moi un petit peu faux, tiens, mon zé. Pas capable de dire moi la journée comment il passe. Pas capable de dire moi. Pas capable de dire moi, mais qui fait de l'inter. Pas capable de dire moi. Parce qu'il y a sa qualité là dans moi. Mais moi, oublier qu'il y a fait comment mon mot, je ne peux pas gagner de cause, je vais poser question. Allah subhanahu wa ta'ala, il change sa qualité qui, moi, une salle, je peux développer là. Pour lui dire, là, yus alu hama yafal. Ça qui lui fait, personne ne peut poser question. Qui est-ce qu'il a fait, hein? Votre lien, écoute. Wahom yus alun. Et nous, nous avons une question là, c'est vrai. Si mon comprend qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à moi dans sa ayat là, oh Allah, vrai même tout al-jabbar alos. Parce qu'il te fait quelque chose que personne n'est pas capable de poser. Pose question. Get ce nom. Parce que, oh Allah, te fait quelque chose que personne n'est pas capable de poser toi. Je ne suis capable de poser toi question, oh Allah, mais qui fait? Au fait, te trouves-nous dans un pays comme ça, nous déjà en ça, quand on dit que dans l'Afrique, ben la pauvre, quand on dit que dans l'Europe, ben la riche, te conti des. Est-ce que nous pouvons poser avant de question là, chers frères? Nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Parce que dans ce nom, il y a quitté, il y a al-jabbar. Nous, nous avons une question, li Allah subhanahu wa ta'ala, li pas gagne. Question. Chers frères et sœurs, quand nous avons un nom pareil, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit avec nous. Al-Jabbar, c'est le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut dire vraiment les hautes, les points posés, et il est capable de faire tout quelque chose parce qu'il contrôle nous en dedans. Mais attention, toi, insan, toi, il développe sa qualité là-dedans, toi. Parce que c'est une qualité, Allah subhanahu wa ta'ala, dès là, il gagne ce nom. Attention, toi, insan, tu as développé sa qualité là dans toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Yahrudu runuqun minan nar yawm al-qiyama. Runuq, c'est une petite chose qui attache les coups. Runuq en arabe veut dire les coups. Veut dire une petite chose qui peut attacher les coups. Pas quoi, har batana, hein? Mais c'est une petite chose, quand il sorti, minan nar. Il sort de Jif l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue de dire laha aynan tubsiran, il y en a des yeux qui l'ont trouvé, wa udhunan tasma'an, il y en a des oreilles qui l'entendaient, wa lisan yantiqu, et il y en a la langue qui l'écoutait. Inni wakaltu bi thalatha, il dit mo fin gain responsabilité trois catégories du monde, bi kulli jabbarin anid, tuban ki jabbar lolatia. Tout le monde qui peut faire jabbar, veut dire, je peux redamener sa rôle, je vais faire ça qui m'envie, personne n'est pas capable, oppose-moi. Personne n'est pas capable, pose-moi question. Il y a une gravité, chef. Fin God, un, puis une chose spéciale pour lui. Parce que sa qualité, là, c'est sa robe, là, qui n'a ça. Nous, insan, ben, on a un droit, pose-nous question, chef. On a un droit, pose-nous question. Parfois, nous disons, entre parenthèses, dit malheureux. On trouve un insan comme maman fait une leçon avec tout ça manquement là et n'a dit pas ne comprend l'honte pour poser question. Mais qui fait? Oui, capable ne pas prendre question direct, mais au moins comme il faut jeune moi. Dis-nous avec qui avec qui on connaît, pas comprendre pas connaît rien. Parce que entre moi et coupe n'a aucune différence qui existe mon peut causer ou peut écouter, c'est tout. Mais à part ça, devant Allah subhanahu wa ta'ala tout pareil chers frères. Mais le jour qui m'amène la cause, moi, m'en expliquer tous les vendredis, comme au sorti, j'ai besoin d'un coin, laisse-moi le droit. Mais qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit avec nous. Il finit avec nous. Attention, demain, je prends d'une autre façon, moi, c'était d'un niveau qui m'a été, moi, je comprends qu'au fait, mais comme on finit, faire quelque chose, personne n'a pas le droit de poser ma question. Nous terminons hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue de dire, « Wa bi kulli man da'a ma'a Allah ilahan akhar, tuban kifin, implo, en l'autre apport, Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil musawwirin, et ban kifin, fait ban photo. » Nous avons dans les détails du hadith, mais ce qui est avec nous, c'est sa punition là, l'ivine, pour un celui qui l'a la terre, les finina ça qui appelle al-jabbar, nous pas dire l'arrogance, parce que nous venons devant Inch'Allah, mais seulement c'est une qualité qui au fait un insan ni amène ni, li senti li haute, li imposé, ensuite li pas accepté, li pas accepté aucune question. Qui s'en a qui n'a sa qualité là? Ces histoires.
Oh Allah, le hadith qui trouve dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Takounul ardu yawm al-qiyama, jour qiyama la terre pour kouma, khubzan wahidan yatakafa'u ha al-jabbar biyadi. Li pour kouma dit un pain dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala. Non, arrête la même. Chers frères et sœurs, qu'on peut dire nous l'armée, hadith un métier clé, biyadi. L'indienou yad, yad nous traduit pour l'armée. Ok? Comment l'y était? Ben, moi, je connais. Parce que, est-ce qu'il finit de nous expliquer comment l'armée était? Il parle de nous. Donc, est-ce qu'il m'a capable de faire mon esprit travail comment il était? Moi, pas connais. Mais c'est ça qui me contente, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de moi, Allah subhanahu wa ta'ala sur l'armée, est-ce qu'il m'a capable de mener une autre explication pour ça? Bon, traduit à lui comment Allah finit de dire sur l'armée, chef frère, acceptez-le comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui finit dire ça. Qui lui peut dire nous? Lui peut dire nous, Allah subhanahu wa ta'ala, jour qiyama, nous avons un petit pain. Qu'on te rappelle? Jour qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, trappe dunya de l'isolamé, subhanahu wa ta'ala, comment dire nous, insan, qu'on nous trappe un petit pain? Comment nous, insan, nous trappe un petit pain? En deux mots, tu veux la café, nous, quelque chose? Qui nous fait? Nous capons une mettre en bas de l'eau, nous prenons une enveloppe, nous capons mettre, nous capons couper, nous faisons ça qui nous envie. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous et qui nous les finamène, les dit bi al-jabbar ou biyadi. Al-jabbar veut dire c'est lui qui fait ça qui lui envie. De là nous trouvons encore chers frères et sœurs qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finamène pour nous comprendre qui au fait oui, li Allah subhanahu wa ta'ala permis ce bannon c'est Al-Jabbar, et lit Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il lit ou lit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit trouver lui, il connaît sa nom là, il connaît Al-Jabbar, un qui est un qui est imposé, et c'est lui-même qui est capable, renforce moi. Quand on peut dire renforce, chers frères et sœurs, veut dire il remonte moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, de bande de rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu lui dire kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul bayna sajdatayn en décisda quand nous dit rabbi ighfirli le prophète sallallahu alayhi wa sallam en décisda il lui dit allahumma ighfirli wallah pardonne-moi warhamni wallah gain pitié pour moi wajburni wallah fais-moi vin faux. Pas fais-moi vin faux, gang, les bras, c'est pas qualité ou que chest. Fais ça qu'elle est faux là. Ça m'a une fausse faux ça. Fais-moi vin faux, oh Allah. Demain, quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème, m'a pas glissé mon iman quand j'y resté. M'a pas vin sa qualité du monde qui, au fait, machallah, m'a fait namaz, mais comment téléphone-moi, dis-moi comme ça, aux enfants, il fait accident. Moi, tu connais. Qu'est-ce que tu connais? Comment tu glissé aller là? Comment tu es capable de dire, si tu connais? Comment tu connais? Quand un dit pas pour raison de sa façon là, c'est quand un dit qu'il y a une faux. Mais comment dit-il qu'il y a une faux? Bon, ça n'a tout ça. Comment dit-il qu'il y a une faux? Excepté quand Al-Jabbar, lui, ou du Burna, lui fait nous une faux. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander. Oh Allah, pardonne-moi, Allahumma ghfirli. Warhamni, oh Allah, gagne pitié pour moi. Wajburni, oh Allah, fais-moi une faux. Warfa'ni, oh Allah, augmente mon daraja. Wallah augmente modaraja wahdini wallah guide-moi warzuqni wallah donne-moi manger de là chers frères et sœurs nous trouvons parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mené en décisda ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander lui dit wajburni wallah fais-moi vin faux quand nous peut dire faux ici chers frères et sœurs c'est pas faux physiquement, mais faux à l'intérieur qui demain, à n'importe qui situation présente devant moi, mon haine c'est lui qui me paraît pour faire face. C'est tout? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de hadith qui trouve d'Abu Daoud. Oui, il y a un long hadith. Mais le point qui est avec nous, c'est ça qui est rouge là. C'est rapporté par Rauf ibn Malik, radiallahu anhu, le dire, bon, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait siwa, et il fait wudu. Donc, mon fils fait pareil. Mon fils débute ensemble avec lui. Fabada'a fastaftaha min al-baqara. Il commence, lié à surat al-baqara. Chers frères et sœurs, vision sa namaz rastir.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin levé au milieu de la nuit, il commençait à surat al-Baqarah. Vejel, il finit faire siwak, il finit faire siwazul, il commençait Allahu Akbar, l'ilia surat al-Baqarah, l'ilia surat al-Fatiha, bismillah, il commençait à surat al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahma. Pe n'a aucun ayat qui n'a rahma, pitié là-dedans, illa waqafa wa sa'ala. Excepté qu'il a arrêté l'idée de Allah. Vejel, quand il passe, al-Rahman al-Rahim, il a arrêté. Allahumma arhamni. À chaque fois qu'il y passe, le N ayat qui n'a pitié, il a arrêté de namaz la même, il demande Allah pour gagner pitié pour lui. Wala yamurru bi ayatin azab illa waqafa wa ta'awwadha. Il pas passe le aucun ayat qui n'a punition. Dans namaz la même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment passe le ayat là, il a arrêté, il dit Allahumma inni a'udhu bika min azab. Dans namaz la même là. Il peut lire qu'est-ce qui sura surat al-Baqarah. Le chaque ayat y a arrêté les chaises, les demande sa quitte chose qui lui fait passer là, les chaises protection avec sa quitte chose qui lui fait lier là. Thumma raka'a, li fait un recours, famakatha raki'an biqadar qiyamu. Li fait un recours, et li reste dans le recours, biqadar, quantité qui l'indéboute. L'indéboute quantité, surat al-Baqarah, en ajoutant, chaque devoir qu'il finit faire concernant pitié, en ajoutant chaque protection qu'il lui demandait concernant la punition. Sa longueur de bout là, il fait roko, il reste sa longueur la même. Yaqulu fi ruku'ihi, et il dit de son roko, nous venons le rouge là directement, Subhana dhil jabarut. Subhana, gloire à toi. Dhi, c'est lui qui possède al-jabarut. Dérivé du mot jabbar, mais c'est mal au pluriel. Al-jabarut. Wal malakut, c'est lui qui possède mulk, tout ban qui chose, wal kibriya, kibriya dérivé du mot kabir, grand, wal azuma. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chef frère, de ce roko, tu peux lire sa dua là. De ce roko, tu peux lire sa dua là. Mais ce qui est avec nous, c'est quoi? C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de roko, tu peux reconnaître al-jabbar, tu dis subhana dil-jabarut. Tout gloire à toi, te sens dévot. C'est lui qui al-Jabbar. C'est lui qui seul possède sa qualité là dans lui. C'est qui ça là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous terminons haditha. Thumma qara'a Ali Imran, thumma surah fa'ala mithu dhalik. Il lit surah Ali Imran et il continue à faire pareil comme il finit de faire dans le premier rakat. Chers frères et sœurs, le point qui est avec nous, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le corps, il peut reconnaître. Et tu peux prononcer, et tu peux glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa qualité-là. C'est qui qualité? C'est Al-Jabbar, et c'est lui qui haute. Il est capable de remonter nous, et c'est lui-même qui impose le ban insan. Chers frères et sœurs, des prochains noms qui sont avec nous, c'est Al-Kabir. C'est Al-Mutakabbir. Al-Kabir. Al-Mutakabbir. Gardez-nous là bien devant nous. Ne vous trouve qu'il est des noms et n'a pas une lettre qui peut ressembler. Alif Lam, en arabe, nous appelons le tarif. Vediapou, nous reconnu. Alif Lam, il fait une petite chose indéfinie. Pareil que moi en anglais, nous savons le mot the. Donc Alif Lam, il y a pas. Quand vous gardez les deux noms et n'a kabir. Kaf be yere. Ensuite, l'autre côté, moi, il y a mutakabbir. Mim te kaf bere. Le temps, moi, les deux noms bien, moi, vous trouve qui, au fait, ressemblance qui vient, c'est trois lettres radicales. Kaf be avec re. Quand vous avez ça, des noms là, ressemblance qui vient, vous avez kaf be avec re. Parce que quand vous prenez mon ayat, moi, vini, Al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Nous prenons les noms Kabir ensemble, la cause divine le même wazan, le même balance, trois mêmes lettres de dérivés. Chers frères et sœurs, Kaf, B avec Ré, pareil que mon habitude d'y aller pour un mot en arabe, quand nous prenons une lettre, nous mettons ensemble, nous donnons un meaning. Meaning qui vient, quand nous prenons Kaf, B, avec Ré, nous mettons ensemble, je fais quelque chose avec gros.
Cette vie qui te lavine grand. Cave avec lui. Pour un moment, prends ce côté langage. Nous redire bien. Kaf, B avec Ré, ces trois lettres en arabe nous servent pour faire une petite chose vin grand, vin gros. Get-le nous al mutakabbir. Chers frères et sœurs, nous t'y là là-dedans. Les vin al mukabbir. Mim avec kabara. Ça mime là. Mime, c'est une lettre dans le langage arabe. Quand nous prenons une tasse avec un verbe, il fait nous connaître ça qui chose ou bien place qui est dans le verbe là. Nous prenons un exemple pour nous plus comprendre. Le verbe sajada, faire sisda. Si nous posons une question, mais qu'est-ce que ça te fait sisda? Moi, je réfléchis. Puis, je réfléchis beaucoup. Ne t'attends pas un mime avant. Il vient masjid. C'est ça. Ne prends un mime, attends sur un verbe. Nous attendons dans madlis. Madlis, ce qui veut dire. La cause est dans le verbe djalasa. Assise, nous attachons un mime en livre, une madilis. Pareil comme ça même, nous demandons à Dimoun, mais qu'est-ce que ça fait tawaf? Nous guettons le verbe c'est tawafa. Place qui fait tawaf, nous mettons un mime, il vient matawaf. C'est comme ça même qu'une langue de langage arabe. Chers frères et sœurs, le mot kabara, nous mettons un mime avec lui, soit nous gagnons place, soit nous gagnons quelque chose qui vient gros. Quand on met un mime avec le mot kabara, il vient mukabbir. Si nous posons une question, qui était mukabbir, regardez devant moi. En arabe, nous appelons mukabbir ça. Micro. Est-ce qu'il est difficile pour nous comprendre qu'il appelle mukabbir? Parce que si moi dis bout là, moi cause, nous connaissons arrivé. Comment arrête on dit là? Mais seulement, c'est un instrument qui nous servit, il fait une petite chose vient grand. C'est ça le mukabbir. Parce qu'il y a un hadith qui mentionne Moukabir, mais pas chez micro dans l'époque des prophètes. Mais seulement, le temps de nous guetter l'action qui micro fait, il prend ça qui est petit, il fait vin grand. Donc, nous avons servi le Moukabara avec toi. Nous mettons un mime avant, il vient Moukabir. Simple. Donc, ce que nous guetter, nous vous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son nom, ce n'est pas Al-Moukabir. Pas il peut faire vin grand, lui. Son nom, c'est Al-Moukabir. Nous prenons l'idée d'une autre façon. Nous tirons mime là, master. Nous tirons mime là. Dans nous qui est avec nous, nous tirons mime là. Qui restait? T, kaf, bere. Takabar. Pareil comme un mime, quand il vient avant un verbe, nous gagnons place ou bien quelque chose qui fait sa action là, T aussi pareil. T, quand il vient avant un verbe, lui veut dire, un quelqu'un peut faire semblant. Lui peut faire semblant, il y a un rôle. Un dimon trouve lui, puis appuyé comme ça là. Qui nous veut dire l'indéomi? Non, lui veut dire l'indéomi. Lui veut dire, il fait semblant l'indéomi. Domi en arabe veut dire nama. Mais seulement quand il fait semblant, il met un T avant. Lui veut dire nama. Il y a un domi, il peut faire semblant domi. En arabe, comment vous dire ça? Domi, moi connais nama. Semblant, comment dire en arabe? Pas le fatigue. Il met un T avant. Tanam. Il peut faire rôle de homie. C'est pour Dimouna comprendre. Qui fait nous explique tout ça là? De là, moi, je comprends quand nous dit un Dimoun, arrête de faire ta kabour. Quand nous guettons le verbe, c'est kaboura. Kaboura veut dire grand. Ta kabour, c'est quoi? Il peut faire semblant, comment dire? Il est intouchable la terre. Mais tu fais semblant, hein? La cause, c'est toi, arrête de faire ta kabour. La cause, ça dit toi, arrête de faire ta kabour. Parce que tu peux faire ta kabour, qui au fait, un simple douleur la tête, mais toi, l'olili. Qui t'a kabour de faire? Get le mot t'a kabour quand vini, cher frère. C'est qu'il a personne, l'incol li kabir, l'incol li grand, personne pas capable de toucher. Mais au fait, nous pas dialit te peut faire kabir, mais nous dialit te peut faire ta kabour, te peut faire rôle de grand, parce qu'il nous connaît pas grand. C'est pour ça qu'il nous dit en Dimoun, nous trouvons qu'il même dans le Coran mentionne le mot t'a kabour. Parce qu'il y peut faire semblant, soit disant, lui, grand. Si pas la cause au travail, si pas la cause aux connaissances, si pas la cause aux bons enfants, sur la casse, au transport, quand vous êtes leader de tout ça, robot, tu lui vas trouver. Qui est quelque chose qui n'amène toi? C'est qui, comment nous dire, quand ta caboulaine prend lui? Parce qu'il y connaît, lui. Comment tu es capable d'être dans le tout, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala ne dit, casse la veine de la tête, c'est Janaza qui te place. Mais qui te veut qu'on dirait à l'os? Mais quand ta kaboula est montée,
Get ça, t'es là. Chers frères et sœurs, nous disons bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, ce n'est pas takabur. Mais ce nom, c'est quoi? Al-mou, nous jouons mime là ensemble. Mime là, c'est quoi? C'est place, quelque chose là. Ta, ta là veut dire, c'est lui qui peut faire sa action là. Al-mutakabbir, en d'autres mots, li Allah subhanahu wa ta'ala bidhatihi. Li même li Allah, li grand. C'est pour ça que ça délète la vie avant. Ça délète pas de vie avant dans le mot kabir, par hasard ça. Al-mutakabbir, Allah subhanahu wa ta'ala pas peut faire semblant li. Non, li même grand là. Et mim là, parce que ça qui appelle grandir là, li dans harab là, li dans li même ça. Puis n'a personne pour capable, vini prendre ça avec lui. Chers frères et sœurs, quand nous get takbir, kabir, quand nous get mukabbir, micro, ensuite nous get takabur, trois mots. Mais seulement trois mots qui, oui, peuvent venir depuis kaf, b avec ré, mais les autres significations différentes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est Al-Mutakabbir. C'est lui qui, dans lui-même, les kabir. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, quand nous guettons de Surah Yunus, ayat 78, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. L'oban peuple qui finit avant nous, قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء الكبرياء. Je dis avec lui, est-ce qu'il te vient vers nous pour faire nous retourner ce qui nous ban papa tiété et te quoi al-kibriya et te penser qu'il te peut agrandir le nous, veut dire tu viens plus haut que nous. Je vais causer avec le prophète là. تكون لكم الكبرياء في الأرض. Te penser te pour prendre al-kibriya grandir. Kibr, Kabir, te penser qu'il te pour prendre grandir le nom, l'eau la terre. Al-Mutakabbir, chers frères et sœurs, l'a mentionné une seule fois dans le Coran. C'est dans l'ayat 23 de Surah Al-Hashr que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Hu Allahu alladhi la ilaha illahu, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir. Ainsi, il fallait mentionner dans le Coran, dans l'ayat 23, quand nous venons avec le nom Al-Kabir, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 6 fois dans le Coran. À l'exemple de Surah Al-Ra'd, ayat numéro 9, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Halimul ghaibi wa shahadati Al-Kabirul Mut'al. Le nom Mut'al, c'est bien nous qui venons avec nous, Inch'Allah, Al-Kabir. Halimul ghaib. C'est lui qui connaît Rab, Al-Shahada, comme un témoin, ou Al-Kabir, Al-Kabir. Et pareil comme ça même dans Surah Al-Hajj, ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ. Ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Ben qui se peut ado, apporte Allah subhanahu wa ta'ala saisit la fausseté, wa anna Allah huwa al-aliyul kabir. Et Allah subhanahu wa ta'ala les plus hautes et les plus grands. Chers frères et sœurs, quand nous finissons les noms kabura, al-mutakabbir, al-kabir, quand nous finissons les savants qui finissent dire l'oula, par exemple, Qatadat radiallahu rahimahullah, un de ben ta'birin dit Allah subhanahu wa ta'ala les grands. Les grands. De tout le mal. Dans le braquet, nous nous amenons loin. Ça, moi qui n'amène ça. Qui fait? Parce que les bons nous comprennent. Si nous lisons en arabe, les dialis, les grands de tout le mal. Al-kibr, min kulli shar. Mais seulement si nous pouvons traduire littéralement, nous ne pouvons pas comprendre. Mais pour nous comprendre, nous prenons l'exemple du nian. Ensuite, mon habitude dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, walillahi al-mathalul a'la. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus grand l'exemple. Chers frères et sœurs, demain, ministre de l'Éducation, les vins visitent l'école maternelle, ici. Les vins visitent l'école maternelle, et il dit avec responsable là, ses enfants là, fin de manière, ils gagnent punition. Hein? Qui fait ministre? Il va me faire moi bonjour. Absolument, quand il m'a dit, il respire, il va me faire toi bonjour. Ok. Mais seulement, quand nous guettons cette action là, nous allons trouver ça ridicule. Un enfant fait qu'à garde mission, capable sa famille de mettre lui en jeu à ce là parce qu'il voulait habiter ce qu'à descendre, parce que l'autre année qu'il l'école rentrait pour lui.
Ça, c'est enfant là, pas fait toi bonjour, te dis nous bien fini li. Qu'est-ce qui peut accepter ça? Personne. Chers frères et sœurs, pour Allah subhanahu wa ta'ala, applique un exemple. Si mon comprend qui sa robe là, li haute, li grand, li grand. Ben moi, insan, est-ce qu'il me pensait sa robe là pour te faire moi dominer? Est-ce qu'il fait moi du tout? Ben qui l'y gagne au moins? Qui l'y pour gagner s'il fait moi du tout? Ban le mal qui m'a fait moi avec mon péché. Est-ce qu'il me pensait qu'il ça dérange quelque chose dans ça qui sa robe là posséder? Les grands, ça. Pareil, comment ça, son enfant là? Qui est capable de faire pour une offense 5 minutes là? Non, il va le faire. Qui est pour le pini? Puis là, non, il a gagné, on dit ça. Quand nous peut dire mon robe, c'est Al-Mutakabir, Al-Kabir, c'est qu'il me peut reconnaître que mon robe est bien grand. En retour, il n'y a pas besoin d'en rien. Il y a besoin d'en rien avec moi. Donc, mon péché qui vous dérange? Mon péché, chers frères et sœurs, il n'y a pas dérange, non, rien. Chers frères et sœurs, pareil comme ça même quand nous guettons. Imam Tabari. Parmi moi, c'est lui qui explique le Coran, il dit, il est loin de faire du tout à ce bon serviteur. C'est ça qu'il nous fait dire. Il est loin, parce que sa robe là, est-ce qu'il nous attend quand le ministre là rentre et dit, fais de manière comment arrive la fin de l'année, qu'est-ce qu'il a fait du tout à ses enfants là? Ça veut dire qu'il a fait ça. Parce que tant un ministre peut faire du tout à ses enfants dans l'école maternelle, ça, insan nous peut reconnaître, mais pareil comme ça même, connaît plus autre que ça. Sa robe-là, à aucun moment, pas pour faire nous, aucun du tout, chers frères, c'est ce qu'il fait, parce que sa robe-là, lui-même, al-mutakabir, lui-même plus grand, mais il fait une simple insan comme moi du tout. Comme vous êtes qui m'a été là la terre, mon un point dans pleine verte, et pleine verte, il y a un point dans Maurice, et dans Maurice, il y a un point là où m'appelait le monde. Mais qui m'a été à l'os? Et non, pas même mettre moi. Pas même mettre sa pays là. Mon un point dans pleine verte, sa pleine verte là, un point de pour lui qui vient un point de Maurice. Et sa Maurice là, pas représente dans l'os, ça m'appelait le monde là. Sa robe là, il y a le monde là net. Chef frère, il faut moi du tout. Qui lui gagne quand fait un moustique comme moi du tout? Est-ce qu'il me trouve ma situation? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire moi du tout, chers frères et sœurs? À aucun moment. C'est ça, al-mutakabbir. Nous résumons pour nous dire, c'est lui qui se grandit et éloigne de tout le mal et du tout. Sa robe là, jamais fait nous le mal, jamais fait nous du tout, chers frères. Si mon malade a zodi, mon difficulté a zodi, et n'a mon bienfait là-dedans. Il n'y a fait aucun du tout là. Et n'a mon bienfait là-dedans. Sa robe là, ça ne peut pas faire plaisir au Dieu pour lui nous souffrir. Non, il va besoin de rien avec nous. Pareil comme ça, même chef frère et sœur, c'est lui qui se pose au grandir, lui éloigne lui de toute bonne qualité qui sa bonne créature là. Nous inan. Oui. Moi, insan, si je continue à causer ce qu'à 9h, 9h10 là, je me brode une place à 6h. Il peut faire mal. Ou bien je me brode là. Ensuite, comme arrive à 10h, bon, nous vous arrêtez aussi, vous allez dormir. Ça, insan, ça. Ça, moi, ça. Mais sa robe là, pour se grandir, sa bonne qualité là pour y en a dans lui, jamais. Mon père ici arrivé comprend que sa robe là pour une sa bonne qualité là qui fait parce qu'il est beaucoup grand donc bonne qualité qui appelle bonne manquement pas pour une dans sa robe là bonne qualité qui appelle bonne manquement pas pour une de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil comme ça même chers frères et sœurs, quand nous peut dire se grandir, c'est ça même qui fait tout ce bonne créature vienne une petit devant lui. Prends-le nous-mêmes qui grandir moyenna, qui grandir moyenna. Comme vous avez une place qui me prend l'eau la terre, c'est juste place qui me déplace les pieds prend. C'est tout. Qui m'a été à l'os? Chers frères et sœurs, plus beaucoup qui m'ont capable de prendre l'eau la terre, ça, c'est comme au demi. Moi, je suis en longueur. Moi, 1m65 l'eau la terre. C'est tout. Mais sinon, à part ça, c'est juste place qui me déplace les pieds prend l'eau la terre. Mais qui m'a représenté l'eau la terre, Allah? Qui m'a représenté l'eau la terre, Allah, chers frères? En d'autres mots, tout ça qui appelle ce man créature là vient petit devant lui, oui non, excepté qui tout vient petit devant lui. Chers frères et sœurs, quand nous connaissons sa robe là et dans sa nom là, l'effet qui ça fait le nous iman. Allah subhanahu wa ta'ala est seul grand. Ce grandir, lui manifeste lui. Pour faire tout qui tout vient petit, oui, mais lui manifeste lui dans de ban ibada. Début de faire namaz. Qui m'a besoin de dire? Allahu Akbar. Je me rappelle moi-même. Je me suis devant ce là. Al-Akbar. C'est lui qui est plus grand. Mais comme on connaît sa robe là, il est même plus grand.
Ça qui m'a fait penser dans la masse là, problème de travail là, ou bien problème qui m'a gagné avec un tel, ou bien difficulté qui m'a été. Mais pour Allah qui était, il était petit. Parce qu'il m'a fait dire Allahu Akbar. Excepté que sa bonne qualité, sa bonne problème qui m'a été là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il était petit. Nous continuons, chers frères et sœurs, nous guettons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous. De Surah Al-Ahqaf, wa lahul kibriya ou fis sama, wati wal ard. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui plie grand. Al-kibriya. C'est lui qui plie grand, le tout, ça va nécher là, la terre là. Nous, on peut essayer de comprendre, au fait, qu'on peut dire, mon robe, il est grand. Ce grandir, couvrir, ça va nécher là, avec sur la terre. Wallah, mais qui grandir, tu étais, wallah. Qui grandir, tu étais, wallah. Comme on peut ça nécher là même, au fait, on peut capable d'arriver jusqu'à côté, moi, j'ai trouvé. Comme vous êtes un peu de loin d'une autre façon, je vous trouve grandir à l'échelle. Mais en même temps, je dis Allahu Akbar, Allah plus grand que toi. Allah plus grand que toi. Chers frères et sœurs, réfléchis bien à ce mot-là. Je débute d'un amas, je dis Ali. Arrive Ramadan, comme Ramadan finit, jusqu'à ce qu'il me gagne une nouvelle jour'id. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous pour nous faire, pour nous dire takbir. En d'autres mots, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. 6 fois. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que tu es seul? Tout le monde, c'est lui qui est un iman. Combien de fois nous disons une seule fois? Combien de fois nous proclamons grandir sa robe là? Une personne qui a fait Umrah ou bien Hajj, quand il débute, pour lui commencer sa tawaf, Bismillah, Allahu Akbar. Il commence. Ça, c'est tout qu'il fait, j'ai Allahu Akbar. Ça dit mon là. Ça dit mon là quand il arrive d'un hajj pour y aller battre Jamarat, il trappe sur rose qu'il dit Allahu Akbar. Il peut reconnaître grandir sa robe là. Quand toute bonne créature paraît devant nous, connaît et n'a un qui plie grand qu'ils autres. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous pouvons citer tout cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tafakkaru fi alillah. Réfléchis. Réfléchis l'eau. Lo ban création Allah, ban signe Allah, voilà te tafakkaru fillah, pas pense-le Allah, pas réfléchir Allah comment été, ça c'est un des bons pièges de Shaitan, pas réfléchir Allah comment il était, mais réfléchir la création Allah, comme on trouve les chiens là qui grandirent, comme on retrouve tout ça ban quitte chose là, ensuite me dire Allah plus grand qui soit là, et non pas moi essayer réfléchir le lit. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mon réfléchis-le, Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban créature. Nous continuons, chers frères et sœurs, pour nous terminer. Résultat qui ban qui sont tisot, grand. Oui. Parce que quoi nous fin dire, takabur, lila. Takabur, lila. C'est qui action, c'est qui pour mon casse, c'est qui pour mon connaissance, c'est qui pour mon lacasse, pour connaissance, mon bon enfant, c'est qui pour mon bon enfant, quand vous êtes moi, c'est, comment dire, je ne peux pas toucher la terre. Sa bonne qualité du monde là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sur la 40, ayat 35, quand nous êtes à la fin, kazalika yadbaru Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Get ça des qualités la vie ensemble. Mutakabir Jabbar veut dire un djimoun qui développe takabul dans lui automatiquement il pouvin Jabbar. En d'autres mots, il peut penser il pas doit personne, il peut pas répondre à personne. Automatique ça vient. Automatique ça pour venir. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit kadhalika yatbaru, l'celle qui est ça un djimoun. Chers frères et sœurs, quand une personne y trouve sa qualité là peut développer dans lui en même temps connaît que Allah subhanahu wa ta'ala fin prend l'engagement pour lui seul l'écrire sa djimoun là. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala toujours concerne un ban qui développe sa qualité là dans eux, lui dire fal yawma tujzauna 'adhab al-hun, azodi ze bouga punition bima kuntum tastakbiruna fil ard bighayri al-haqq, azodi ze bouga résultat, elle veut dire punition que je peux gagner pas takabbur que tu peux faire sur la terre bighayri al-haqq, au fait tu n'as aucun droit, au fait une personne, une créature, un insan lipé n'a aucun droit. Donc, chers frères et sœurs, nous résumons de la façon et nous dire Al-Kabir, les grands. Al-Mutakabir, dénons Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous grandir nos robes. Fait nous grandir nos robes. En d'autres mots, moi, insan,
quand on trouve une capacité, une signe, pas sur une signe que Allah subhanahu wa ta'ala fin mette l'eau la terre, je dis à moi-même, mon robe est plus grand que ça. Et comme on connaît mon robe est beaucoup plus grand que ça, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de rien avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de rien avec nous. Mais seulement, c'est nous qui besoin lui. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans surah Al-Anbiya, quand il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour gagner question avec personne, il n'est pas pour répondre personne. Mais c'est nous, insan, qui est là pour répondre. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de rachir frère et sœur pour faire nous une parmi ban qui loin avec ban qualité qui lit Allah subhanahu wa ta'ala liena comme ban qualité qui vient en de ban manquement d'un insan. Nous pensons quand vous pouvez takabour, vous pouvez bien faire excepté ces ban actions qui peut amener mon propre destruction. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une parmi ban qui vient comprendre le nom al-jabbar. Demain comme vous sentez moins down, vous retournez vers sa robe là. Pour wajiburni, pour lui faire moi reprendre. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala de rafé nous connaît nous al-kabir, al-mutakabir, nous vivre avec lui, ce qui arrive, ça qui arrive. N'importe qui action, qui situation arrive, me connaît mon robe, lui plus grand. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah, l'autre semaine, chers frères et sœurs, nous vous continuons par le nom al-khaliq. Jazakumullah khair.